Puis des porteurs de projet et qui a donné la liste à Pamecas et qui a dit aux porteurs, allez voir la Pamecas, ils vont vous dire. Donc voici le modèle économique d'intervention du Sorora, du Fongine. Nous maintenant, nous sommes à la mission, nous étions à LRAO, nous sommes allés à Doel, etc. Nous sommes passés vers les alentours, parce que c'est tout autour de Cascas, etc. Mais nous avons fait, le focal point était à LRAO, où nous avons vraiment fait, mis en place un quartier général d'animation économique. Nous avons fait une base de repli pour l'ensemble de l'animation économique qu'on avait fait à travers la zone. Et on a fait des centres de travail avec tous les acteurs économiques, les opérateurs économiques, les porteurs de projets, les PME, les PMI, les femmes, les jeunes. Et nous avons pu avoir un pipeline intéressant en termes, vraiment une taille critique de porteurs de projets dans la zone. Et c'est ce que nous sommes en train de dérouler, d'étudier pour la restructuration des projets, pour l'orientation auprès des partenaires financiers qui sont le Pamecas et la CNCAS. Parce qu'à Saint-Louis, dans la zone de la Vallée, nous avons deux partenaires. Pour ceux qui veulent de l'argent du Fongine, allant de 11 millions à 500 millions, on les demande d'aller à la CNCAS, auprès de laquelle banque nous avons déposé beaucoup de milliards, nous, le Fongine. Pour ceux qui veulent un financement allant de 100 000 francs à 11 millions, à 10 millions, nous les orientons vers le Pamecas. Auprès du Pamecas, auprès de l'IMF. Le Pamecas, c'est le IMF. Oui, j'ai dit, c'est de combien à combien? C'est de 100 000 francs à 10 millions pour les porteurs de projet. Pour toute la zone, j'ai placé, déployé une mission il y a cela quelques semaines, vers les zones de Roche-Pétion, de Château, nous sommes entrés dans les Iseries. Nous avons visité les projets de trois PRP, nous avons fait énormément de choses, jusque nous sommes déployés dans le Dagana, etc. Mais nous sommes revenus une deuxième fois pour aller plus en profondeur dans le secteur. Pour en tout cas essayer de capter certains porteurs de projets pour implémenter dans leur structuration le modèle économique du Fongine. Donc c'est pourquoi nous sommes en déploiement dans la zone et nous sommes venus vous voir dans ce sens. Et dont les missions sont de réduire le gap en financement des porteurs de projets auprès des banques. Réduire le gap en termes de possibilités. De dotation d'argent au niveau des portefeuilles des banques et des IMF. Parce que nous sommes dit que nous avons un budget de 10 milliards que le président de la République nous a donné. Il nous faut créer des produits financiers pour permettre aux porteurs de projet de pouvoir accéder à ces crédits-là. Mais nous ne pouvons pas prendre le risque et le pari de donner directement ces sous ou d'adopter un modèle qui nous. Et nous allons les demander maintenant de financer à leur tour donc les porteurs de projet. Vous comprenez? Et nous, maintenant, nous, on accueille les projets, on accueille les porteurs de projets, on les encadre, on les aide à faire le projet, à les structurer, etc., à les corriger, et on les oriente maintenant auprès des institutions de microfinance. Et c'est à ces derniers-là de les donner des financements en les entretenant de leurs modalités, procédures, etc. Et ça nous permet, nous, en recouvrant nos fonds, de, par des systèmes revolving, de permettre aussi à d'autres types de porteurs de projets de pouvoir bénéficier, en tout cas, de ces montants-là, que nous mettons en place auprès des IMF et des banques. Pour mu nek djuntukay bo xamné mom moy wara nek ndëgël lay pour jigen ñi nga xamné ay jambar lañu ak ndaw ñi nga xamné dañoo am lidiasa wala amu lidiasa ci bëgg liggéey té seen loxo jottu seen ginnaw ñu am djuntukay bo xamné dañ ci mëna sukkandiku ci walu xam xam bo xamné ñu xalé gi am bir fond ci walu cadre expertise ñu mëna leen dembalé gungé leen mais tamit alal ji nga xamné président Macky Sall daf ko dégager ci budget Sénégal jox ñu ko ñu fonds pour ñu mën ci dimbali askan bi pour ñu mëna liggéey loolu mom moy taxawayu fonds té mu nekk nak instrument bo xamné comme niko mëne di waxe sank mu né monsieur le maire ñu lay présenter légui sa masala mata ak amul xol muy jëntukaay économique comme Francis mais bokku ñu taxaway ak tollu way ñom ñaar li ci am solo dal moy loolu buguma xawabal ndax xamna ni buñu duggé ci biir waxtaan bi dinañ mëna léral lu bari waye comme dañu ñen sét ci té ngeen di ay kilifa di ay acteur au développement di ay responsable ay président du GPF ñeen bëggoon déglu ku ci nekk wax xalaatam wax mbeubeutam wax yaakaaram ci fonds de garantie des investissements prioritaires mais tamit tollu way bi fii ci dëkk bi yaak li nga xam ne moom mooy li ñuy xaar ci ñu fi tey fii ci ARLA wa fas yéene fee toog ñaari fan ak yéen pour jàppale leen pour tolluwaay projet yi pour ngeen mën a am ay financement.
ci ndigalu nak suñu kilifa du ka ak muntagasi te ñom ñep ñu nek ci ndigalu président Macky Sall ñu xam mom mo ñu tabu ko ci ligay ci ligay fa do do la la ko nak suñu rek ci gassal ko baye len ñom ñu ci après ñu mëna nak dal bi ñam ay muta na on na haja na wacce na